C'est pas toi qui dois donner les mauvais reviews. Le monde va savoir, mais c'est OK. It's OK. C'est talk and play at Mad Sounds, bro. C'est un test où on y va net. Ben, ouais, je serais allé tout de suite là. Ouais, je sais même pas quoi dire au début. C'est what's up, hein? C'est toi qui es supposé avoir ton intro. Ah non, hein? Mon intro, c'est comme ça, bro. C'est ça, mon intro. Je sais pas quoi dire. So, on est là, man. We in the Mad Sand Studio. Ah, ça, ben, je suis content que t'es venu, bro. Sérieux, là, je suis content que t'es venu. T'as accepté l'invitation. C'était, ben, no stress. Non. Comment tu vas, bro? Bien. Bien, puis mal en même temps. Pourquoi? Ben, parce que j'aime pas ce qui se passe dehors, but. Pourquoi tu parles du confinement? Ouais, toute cette affaire là, c'est compliqué. Puis, je sais pas, maintenant, on ne sait pas où mettre la tête là. Comme, si on peut sortir, on ne peut pas sortir. C'est comme, ben, ça, c'est pour tout le monde vraiment là. Mais toi, personnellement, comment ça t'a affecté le confinement? Ah, oui, ça m'a mentalement, affecté. Mentalement, c'est mentalement, sûr. Ça m'a affecté de plusieurs manières. Comme enragé. Là, comme quoi? Au début, là, je pensais que c'était une joke là. Une joke. Puis là, quand tu vois vraiment que, ok, c'est sérieux, comme people are dying. Puis en plus, j'ai perdu mon cousin aux States là-dedans. Dans le COVID? Yeah. Chez condoléances, bro. Puis c'est pas le cousin du cousin du cousin. Non, c'est blood. C'est le neveu à ma mère. Ouais. Puis là, c'est là que tu commences à comme, OK, ça existe. Tu vois que c'est sérieux? Ouais, mais tu sais, regarde là, à l'âge que je suis rendu maintenant, c'est comme la routine, c'est la routine. Puis là, maintenant, on essaie de changer. Comme s'il faut que tu changes toute ta routine complètement. Là. C'est comme, yo, je marche, je parle au magasin, puis... En milieu de chemin, je remarque que j'ai oublié mon masque. Je suis comme, ouais, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout. Là, tu es obligé d'aller acheter un masque. Acheter un masque ou soit 2$, 3$, ouais. Sort de tes poches faciles, parce que tu dois acheter un masque. C'est normal. Incroyable, là. Normal. Ouais. C'est la vie qu'on vit maintenant. C'est dur, c'est juste, ça. Ouais. C'est positif, c'est négatif, parce que pour de vrai, je me suis jamais lavé les mains autant de ma vie, là. Tu comprends? Puis c'est quelque chose qu'on est supposé faire normalement. C'est vrai. Tu apprends des nouvelles habitudes, là. Maintenant, c'est comme tu nettoies les surfaces chez vous, bah, tu restes clean. Mm-hmm. Tu nettoies les poignets, puis ça, c'est quelque chose qu'on est supposé faire tout le temps. On faisait pas avant, on néglige ça à l'habitude. Ouais. C'est vrai, true. Mais à part ça, qu'est-ce que tu as fait pour essayer de couper sur le stress, comme si pour essayer de retirer, comme si faire autrement, genre essayer de... Tu vois, moi, j'ai la musique pour me soulager. Genre. Enfin, moi, tu vois, j'ai battu le studio. Moi, j'ai été du sens contraire. Ah ouais? Parce que j'ai tellement mis dans la musique. Mais tu dis ça, mais c'est faux, parce que tu as fait ton album confinement. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas vraiment ta tête de sens contraire. Est-ce que l'album confinement, tu l'as fait pendant le confinement ou tu... C'est plus quelque chose qui a été raffiné pendant le confinement. Ok, c'est des musiques que tu avais ou bien d'autres musiques que tu avais. Il y a des nouvelles musiques qui ont été faites à l'instant même. Okay. Puis il y a des musiques qui ont été plus raffinées, ça fait longtemps. Ben, longtemps. Il y a des musiques qui étaient là, puis qu'on a juste raffiné avec le temps. Puis pas avec le temps pour le moment là. Puis on a dit, bon, tu sais quoi, ça serait cool qu'on travaille dessus. Puis, en parlant de longtemps là, comme si, comment on peut parler de longtemps? Si t'avais comme s'il y a quelque chose qui t'a influencé dans la musique, ce serait quoi? Genre quelqu'un ou bien un artiste ou bien là, tu parles de way back un style de musique qui t'a influencé. Ah, c'est le R&B. R&B, ouais, j'ai remarqué ça dans ton style de, quand je chantais, quand je suis venu dans ton studio, tu faisais des runs du copain, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il a lui, pourquoi il fait ça? C'était, mais j'ai compris que c'est ton style. So, donne-moi une de tes influences, genre, comme si quelqu'un qui t'a vraiment influencé dans la musique, qui ce serait, qui genre? Il y a plusieurs artistes qui m'influencent, c'est sûr. Mais si tu parles, si je dois aller... Mais comme... musicalement, là, quelqu'un que ton bagage, là, tu sais, comme si... Brian McKnight. Okay, okay. Officiellement. Pourquoi? Parce que, non seulement c'est un poète, j'aime la conception musicale qu'il fait, les runs, j'aime les harmonies, j'aime de quoi il parle. C'est comme, c'est tout ce que j'aurais voulu faire, mais maintenant que je fais, maintenant que j'ai réussi à faire... Parce que j'ai pas pris des cours de chant. Fait que moi, j'ai appris à travers les artistes, en refaire, okay. Et personnaliser de ma manière après. Mais beaucoup Brian McKnight, là, j'en ai écouté, là, parce que j'étais comme... Yo. Moi, des fois, là, comme, quand j'écoute ça, là, des fois, je me demande, yo, ces personnes-là existent vraiment? Comme, moi, pour moi, chanter, c'est le talent, là, enragé, là. Normal. Fait que quand t'écoutes ça, t'es comme, waouh! Ce gars-là existe. Hein? Quelle musique de Brian McKnight qui t'a plus marqué? Le classique, tout le monde connaît le classique. Back at One. Oh, ça c'est une des chansons que j'aime bien. Je me rappelle pas vraiment là. Back at One. Si tu connais pas Back at One. Toi, tu la connais par cœur?
Il fut un temps. Et la façon dont tu me parles, c'est comme si tu veux minimiser, mais toi, tu la connais par cœur. Il fut un temps, mais là, je la connais par cœur, ouais. Je peux dire oui, mais c'est sûr qu'il y a deux, trois petits mots. Vas-y, que... Google. Ok. Non, of course, je pas de Google. Ça me donne un petit peu de temps pour figure out les accords, je crois. Vas-y, je te suis, oui. Je te suis. Je peux pas croire que je t'assis, puis c'est ma nerf qui me donne une interview. Imagine. La vie, c'est comme ça, 2020, baby. C'est ça, t'es mal. T'as l'air quoi, besoin de job à Mucheco. Ok, je suis bon. T'es bon, bon déjà? C'est non, non, joue, 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 joue. T'as fait deux, trois. Ok, ok, c'est bon. It's undeniable that we should be together. It's unbelievable how I used to say that I'd fall never. Pieces I need to know. If you just don't know how I feel, then let me show you how that I'm for real. If all things in time, time will reveal. Like one, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. And three, girl, it's plain to see that you're the only one for me. Like four, repeat the step is one, two, three, and five, make you wanna be with me. If ever I believe my work is done, then I start it back at one. That's what I do, that's what I do. Shout out to Brian. Shout out to Brian. Brian. Mais pour Brian, pour vrai, il chante beaucoup l'amour. Yeah. Et toi aussi, tu chantes beaucoup l'amour. Yeah. J'ai parce... remarqué dans tes beats, c'est toujours quelque chose. Un affaire d'amoureux, bro. Ben, ça me donne pas. Il n'y a pas vraiment grande option aussi, là. Et donc, comme je te dis, dans tous les chants que tu chantes, c'est toujours quelque chose d'amour. Mais toi, comment tu vois l'amour? Est-ce que tu sais, t'es pas marié, t'es pas. Tu comprends? Comment tu qui vois qui t'a dit que j'étais pas marié? Je sais pas, tu vas pas inviter dans ton mariage. C'est ça la peur, là. T'es supposé me demander si je suis marié ou pas? Mais tu peux pas inviter à ton mariage. Depuis que je te connais, t'es pas marié. Alors si tu peux pas inviter à ton mariage, c'est que tu t'es pas marié, bro. C'est impossible que tu peux pas inviter à ton mariage. Non. Au moins, at least pour jouer de la musique pour toi, bro. Impossible. Alors. Ah non, c'est sûr, tu joues. Alors. Mais toi, t'es les alors, deux, toi. Tu vois, tu m'as invité pour jouer dans le mariage de ton frère. Yeah, true. Alors si tu vas te marier, je sais que tu vas m'inviter à ton mariage pour jouer. True. Quand même, d'une manière ou d'une autre. True. Alors maintenant, ma question revient. Yeah. Qu'est-ce que l'amour pour toi? Comment tu vois l'amour? C'est ce que les musiques que tu chantes là. C'est ta musique que tu as vécu, c'est ton vécu, ou bien c'est des musiques que tu vois le passé du monde, ou tu vois la vie du monde? Wow, I'm a storyteller. Comme. Moi, mm-hmm. Je m'inspire de tout. C'est sûr qu'il y a du fictif, il y a la réalité dedans. Ok, so tu as des musiques qui sont réelles à toi? Ouais, très. Dommage, la musique que tu as faite, c'était... Puis c'est plus dans le dernier projet que j'ai sorti. Le dernier projet que j'ai sorti, confinement, mm-hmm. De A à Z, c'est des vrais... Des c'était vrais c'est ta, c'est ouais. Ta, c'est ta réalité? Ouais. C'est vraiment comme... Ben, si t'as entendu le projet là, ben comme tout là, comme Baka Kiteo Ale, et puis ouais, t'as joué les guitares dessus, tout, c'est vraiment c'est... basé sur des histoires vraies. Ok. Puis okay. Ça c'est de moi là, c'est pas d'une histoire de mon ami, puis etc. Là. Okay. C'est moi, c'est juste moi. Nice. Mais dans ta carrière musicale, est-ce que, j'aurais pas dit des regrets, mais est-ce que t'as des regrets? Ouais. C'est quoi? Comme de moi... Parce que au début là, comme début complètement, j'avoue, j'étais dans le R&B français, ben anglais, après ça j'ai switché à français, après ça je suis rentré dans le compas, puis je trouve que je me suis trop casé dans le compas, comme j'aurais dû garder mes portes ouvertes sur d'autres styles de musique parce que j'étais déjà dedans, puis j'ai laissé quelque chose que comme je... c'est comme si bon je me tourne, ouais, j'étais bon là-dedans, puis mais là maintenant quand tu j'écoute, R&B, comme ouais, si c'était ça et quand j'écoute avant. Qu'est-ce que le monde fait maintenant, puis j'étais comme damn, I think about I was one step ahead. Puis mm-hmm. J'aurais dû juste garder. Puis là maintenant, le rêve est rendu réalité. Comme le monde est capable de manger sur Internet. Puis la musique, Montréal, le rap français, le R&B, puis tout ça, ça fonctionne. Puis là, j'ai dit, je me suis tellement focus sur une seule affaire que j'ai négligé que comme il y a une toute autre industrie qui se passe. Il y avait tout un autre univers partout. Il y a d'autres choses. Genre. T'es un gars qui freestyle beaucoup? Freestyle. J'aime freestyle.
Parce t'es, que je suis à l'aise que... avec le freestyle, genre, c'est quelque chose de... Bon, comme je te dis, j'aime freestyle parce que je trouve que c'est bon pour le mental. Ça, c'est, ça... ça t'aide à développer ouais. la créativité. Ouais, c'est un, c'est un exercice. C'est pour ça que maintenant, je suis rendu dans un processus que même quand je rec, j'écris pas. Comme... Ok, c'est là tu freestyle à la base. Ouais, mais c'est freestyle, mais stratégiquement. Tu sais. C'est pas vrai que je vais te donner un 16 clean, là. Non. Je peux te donner un 2-3 bars, puis le quatrième... Tu avais pensé. Ouais, j'ai pensé. Là. Okay, c'est là que j'arrête de rec. C'est là que j'arrête de rec. Tu te dis, OK, attends, moi, ingénieur, oui, viens, je pense à quelque chose. Et yeah, je pense à quelque chose. Yeah, non, et pas d'ingénieur, parce que je me rec tout seul. En plus, yeah. t'as un studio, ouais, c'est vrai, t'as yeah. un studio à la maison. Tu mixes, tu fais toutes ces affaires-là? Ben, je fais le prix. Je fais les prises de son. OK. Puis après ça, j'envoie le reste à qui il faut, là, le mastering, puis tout le reste. OK, nice, nice. J'envoie nice. Les affaires à Jean-R. Jean-R fait ce qu'il peut faire. Puis après ça, on envoie ça à quelqu'un. Jean-R, c'est ton manager? Yeah. Good, good, good. Comment ça va maintenant avec Good Life? Maintenant, comme tu dis, tout le monde est sous stand-by. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas rien. T'sais, on ne peut pas vraiment rien organiser. Mais ça se passe quand même assez bien. C'est juste que il se passe, qu'est-ce qui se passe parce que... Ouais, parce que qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est la musique. T'sais, comme, je ne veux pas dire que c'est juste business. Mais c'est assez quand même business. Fait que... Tu sais, ça peut arriver. C'est qu'on s'appelle moins. Parce non, qu'on, c'est parce, vrai, on s'appelle bon. Moins parce que... Yo, moi, on n'a rien à dire pour l'instant parce que tout est concentré sur la musique, fait sur la musique puis les événements. Fait que là je suis comme bon de quoi qu'on parle. Même des fois j'appelle Richard là puis des comme how you doing. Mais pour de vrai c'est très vrai qu'on veut parler de musique là. Mais, ouais mais il y a rien à dire sur la musique. Il y a rien à dire. Yeah. Là maintenant là on n'oublie pas on est talk and play. Je sais pas de ça mais tu m'as dit que tu sais freestyle. Ah, moi, yo, commence pas, man. J'ai une petite je ne suis pas une surprise, mais j'ai mon boy qui m'accompagne, mon DPM. Yeah. DPM est over on the other side, tu vois. Ah, c'est pour ça que tu l'as amené. Oui. C'est quoi, c'est ce setup? Il y a juste un figurant. Je sais pas, man. C'est... Non, mais j'ai mon boy DPM over on the other side, puis DPM va te jouer une mélodie. Puis moi, là, je te regarde. Et je... I wanna assist. Je comprends pas, tu veux que je chante, tu veux que je... Fais un freestyle pour la... Ah, damn it. Pour le talk and play. Là, man. Just do a freestyle first. Moi, je suis le gars qui freestyle dans ma douche, là, les affaires... Fais-le raw, just raw and uncut, bro. It's all good. Raw and uncut. People want to see the real Jay Run. You already have the real Jay Run, all right? Yeah, I know him. They don't. Show c'est vrai. Him. True. Facts. My bad. DPM, you got me? C'est pour ça qu'il est là, DPM. Je savais que c'était un setup. I should have asked. Whoa. Yeah, tu peux garder ça. Ah, tu me donnes envie de jouer, bro. Damn. La freestyle là. En passant tu peux tout wreck parce que moi je joue ce beat là hein. Baby qu'est-ce que tu penses de moi? Je comprends pas pourquoi qu'il se passe comme ça. Pourtant nous deux ça allait bien. Mais je peux sentir la fin yeah. Mais c'est toi que je veux. Malgré tous mes efforts, je peux. À chaque jour, c'est différent. On part tout le temps, on comprend rien, on argumente, bébé. L'amour, c'est différent chaque jour. Oui, c'est notre parcours. On est fatigué, mais c'est vrai qu'on court. Pour toi, oui, c'est vrai, je suis en amour. Explique-moi, oui, c'est toi que je veux. Malgré ce que j'ai, que je fais ce que je peux. La vie, c'est juste c'est moi et nous deux. I got this, ok. Chérie, tu connais mon swag, bébé. Baby, sur toi, tu me tag, bébé. Chérie, comment ça se passe, vrai, bébé? C'est juste toi que je veux, bébé. Recommence. L'eau va penser que c'est pas un freestyle. L'eau, tu l'as trop bien fait. Non. Tu l'as sauté. Ça fait tellement longtemps. Talk and play. Mad yeah. Sound. The first episode. You killed it.
Legendary. Legendary. Exactement ce que c'était supposé faire, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ça que j'avais en tête. C'est ça que j'avais en tête. Dans ma tête, je me suis dit, qui pourrait faire ça? Il dit, Jaron. Jaron va faire ça comme ça. Et puis, t'es venu, tu l'as fait ça comme ça. Ben, là, là, mon show, le premier épisode va être ça à cause de toi. Tu comprends? En passant, ce PIA-là, je ne le donne pas à tout le monde, non, Homo? Non, je suis d'accord, bro. Non, je suis d'accord. Sérieux, non, mais tu sais. Tu as de la chance. Je ne sais pas si on peut montrer la photo qui est en dedans, là. La photo qui est en dedans, il y a un cadre en dedans. Yeah. Il y a un cadre en dedans, tu vois ce cadre-là? Yeah. À chaque fois, je le vois, je pense à toi. Je suis obligé de penser à toi. Et ce cadre-là va rester à toi. Le 12 novembre. À chaque jour, je pense à toi. À chaque fois, je vois le cadre, c'est toi que je vois. 12 novembre 2012, Legendary Day. Yeah, ça fait un gros concert. C'est en 2012? Yeah. Ça, je venais juste d'arriver là. Je venais juste d'arriver. C'était fake rivé. 2012, c'est un gros show. Là. Un gros show. Très gros show. Très gros show. Non, ce show-là m'a marqué quand même. Et le pire, c'est ce show-là nous a mis on the map d'une manière à Montréal. Comme si on a fait quelque chose de très comme si révolutionnaire. On va dire. Mais quand on dit révolutionnaire, c'est le fait, on a amené quelque chose parce que de différent. Parce que tout le monde dit, ah ben, je fais la musique différente, c'est différent. But vous avez tellement amené votre taste dans le show. C'était beaucoup de personnes comme des beasts. Ouais, c'est comme yo, tellement là. Tout le monde sur la track. C'est enragé. C'est côté musique, là, c'est comme vous avez amené mes tracks dans un autre level, puis que je connaissais même pas, je savais pas là. Comme, on a passé par-dessus le juste caler cymbales puis chirer là, c'est ouais, tout. Ouais, là. Normal. Les transitions normal. Là, puis quand tu es venu avec le. Yo, Amné, t'es venu là, t'as joué la guitare, puis t'as. Comment on appelle ça là, quand tu joues? C'est comme du heavy metal là. Distorsion. Ouais, yo, t'es venu avec cette affaire là, là, j'ai dit waouh. On dirait c'est moi-même, moi, j'étais comme. Des fois là, des fois, je me sentais spectateur. Man. Ah ouais? Yeah. True. Ouais, je me sentais spectateur. Là. Comme des fois, je regardais et j'étais comme Dieu. That's a good look. Yeah. Non, mais c'est bon. La seule fois qui est partie, c'est qu'on ne l'a pas refaite. Mais je sais pourquoi. Là, c'est des questions. Ouais, bon. Là, c'est des affaires. C'est normal. Parce que, anyway, il n'est jamais trop tard. Oui, ça peut toujours se refaire. Mais là, tu vois, on a commencé quelque chose d'autre. Ça. Yeah. C'est toujours quelque chose comme ça. Mais dans cette période-là, il y avait une chanson. Tu avais plusieurs chansons. Tu avais Toupie, tu avais Débodé, tu avais plusieurs chansons. Mais quelle chanson vraiment qui a fait un hit? Dans le pays, alors que tu sais que tout le monde sait que cette chanson-là, là, quand tu la joues, c'est la chanson de Jaron et tout le monde est ouh. Au début, j'ai mis tout mon espoir sur All I Want Is You. All I Want Is You. Mais, oh, ok. Non, tout le monde sait que. Je suis pas chanteur. Ah, non, arrête là. Tu penses qu'on n'a pas vu, man? Tu penses qu'on n'a pas vu? Arrête là. Arrête, tu viens de t'exposer toi-même. Hey, arrête, bon, belle expose, enragé. Au début, j'ai mis tout mon espoir sur. On a mis notre espoir sur All I Want Is You. Mm-hmm. But. Toupie est venu comme une bête enragée. Toupie, ouais, Toupie là. Toupie veut juste pas partir. Ça veut juste pas partir. Comme si j'ai un spectacle et je chante pas Toupie, j'ai pas chanté. Le spectacle est pas bon. Non, c'est pas bon. Ok. Non. Okay. C'est... Ça veut dire que tu me dis que si tu viens à Talk and Play, tu joues pas Toupie, mon choix est pas bon. Bref, c'est comme le show a pas. Comme ça, même pas de but. Alors, tu comprends qu'on va jouer Toupie? Yo, t'es emmerdant, man. D'une manière. Yo, toi, en plus, maintenant, t'as amené un panneau qui connaît les affaires. En plus, tu connais ta musique. Yo, y'a pas un. En plus, tu connais ta musique. Y'a pas un papier que je suis supposé signer, lisse. Dis bien, donne-moi, essaie de me donner un backbeat. C'est gala. Donne-moi un backbeat, un verre rapide, donne-moi un backbeat. Yo. On va jouer Toupie. Talk and play at Mad Sound. On joue Toupie. En passant aux prochains artistes qui vont venir ici, poser des questions avant de venir, ok? Manet est sur un vibe. Il sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Là, je sais qu'est-ce que je fais. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Oh, man. Oh, wow. Attends, quête. Ok. Vous êtes parlé avant, hein? Approche-toi de moi. T'as capté mon regard. Oh baby, avant que je te voie, l'amour n'existe pas. Tu me donnes raison d'y croire. Et j'ai des frissons.
juste te voir aller comme ça, j'ai pris ma leçon. Je te laisserai plus aller, garde-moi ton corps contre mon corps, bébé. Non, ne te gêne pas, mes lèvres contre les tiennes. Je t'imagine sous mes draps comme ouh, yeah. Tu peux me sentir. Je tourne mon amour à ce sujet, je peux pas te mentir. Baby, bouge tes hanches comme une toupie. Comme une toupie. Comme une toupie. Comme une toupie. Content, je devrais vendre ça au Walmart. Au Walmart? Yeah. La chanson, tu penses à 6? Dans l'allée musique. Non, c'est une belle chanson. C'est une belle chanson. Yeah, plus, après ça, c'est pas comme ça que tu l'achètes d'habitude. C'est un non. remix. Non, 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 ça, c'est un remix. Ça. C'est ça, ça c'est... t'as pas fait de mélodie d'habitude. Là. C'est vraiment plus up-tempo. Là, plus que ça, ok, là. C'est ça. Puis ça, c'est plus. Tu l'as fait plus de manière acoustique. Mais plus que tu m'as rien dit, c'est plus que j'ai fait ça. Non, je suis d'accord. Je suis très d'accord. Tu m'as pris à l'imprimer. Non, c'est toi. C'est toi, Marcel. Tu, Marcel. It's okay. Est-ce que tu penses que je savais que j'allais chanter tout puis? We're not gonna fight here, it's okay. It's okay. Après ça, je vais vraiment donner un mauvais review sur Google. Hein. People are not gonna come. C'est pas toi qui dois donner des mauvais reviews. Le monde va savoir, mais it's okay. It's okay. C'est talk and play at Mad Sound, bro. C'est quoi? Parce... Talk and play at Mad Sound and get set up. Non, c'est pas vrai, c'est un truc. Mais pour le reste, en toute réalité, moi, je suis très content que c'est toi qui es venu en premier. Et je suis fier, man. C'est une réussite. Je pense que le choix a bien été. Merci, bro. Yeah. T'as d'autres choses que t'aimerais dire au public avant que tu parles, comme si, comment tu veux que le public si tu, il doit te suivre sur Instagram? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont sortir? Est-ce que t'as des nouvelles chansons qui arrivent? Est-ce que t'as quelque chose de nouveau? Tu travailles sur des projets? T'as, même si c'est plus de la musique, est-ce que tu fais des investissements? Est-ce que t'es un businessman? Qu'est-ce que Jérôme fait maintenant? Qu'est-ce qui a rapport avec moi? C'est comme tu m'as posé au début, le confinement, ça a été une bonne chose puis une mauvaise chose. Ouais. Ça m'a permis de me concentrer sur d'autres projets qui est en dehors de la musique. De la musique. Puis je suis content. Okay. Je suis content aussi. Tu veux en partager ou c'est quoi que tu fais en dehors de la musique? Comme ben, en dehors de la musique, comme le monde qui me connaît très bien, ils savent que je suis un fan de la construction. J'adore ça. Ok. Ouais, j'aime ça. Ah ouais. Je travaille avec mon père. Puis je fais des rénovations. Tu peux dire des affaires, tu rénoves, tu fais des, ouais, des planchers. Ouais, des planchers flottants. Puis ah ouais. Pas, ouais, tout ça. Mais ouais. Bro, c'est pas que je veux. Ne commence pas. Mais mon garage. Commence pas. Il n'est pas encore fait, c'est bro. Pas, c'est pas, j'aurais aimé. C'est pas une publicité que je lui fais. Oh, c'est une publicité quand même. Le monde peut t'appeler là pour mais tu m'as demandé qu'est-ce que je fais, je te l'ai dit oui. Mais le monde pourrait t'appeler pour faire des planchers. Non, non, moi je suis un boss fanfan. C'est juste. C'est quoi un boss fanfan? Boss fanfan, c'est... Avec des PM Rio, c'est quoi un boss fanfan? Un boss fanfan, c'est celui qui connaît, mais qui connaît pas tout. Oui, alors tu as la gang, et puis toi, tu peux venir, et puis tu peux dire... Yeah. Ben, ce serait bon... Des lumières encastrées. Tu vas me donner un code pour mon garage. Yeah. C'est sérieux, là. J'ai besoin de faire un plancher flottant de mon garage. Dégage, yo, I do this, like, pour le vrai. Sérieux. Ouais, j'ai trouvé... Dans le prochain épisode, je vais vous montrer Jérôme qui fait mon plancher flottant. Tu vois, ça me dérangerait même pas. Baby, tu vas plancher. Ok, là, c'est ça l'affaire. Je savais que t'allais te passer dans la bêtise. C'est pour ça que je peux pas te prendre au sérieux. C'est pour ça que je peux pas prendre au sérieux. Tu vois, là, tu parlais de quelque chose de sérieux. Là, maintenant, tu veux que je chante et je fasse le plancher flottant en même temps. C'est ça? Mais ce serait cool, bro. Ce serait cool. Déjà, j'ai des caméras, ce serait trop frais. Tu vois, c'est reality TV, bro. It's all good, bro. En tout cas. That's where it's going. It's reality TV. Jérôme chante Toupie. Pendant qu'il fait le plancher flottant. Bah, yeah. Il a mis gyps, bah. Vous sentez son bon concept lié. Vous sentez son bon concept lié. Sauté, bro. En tout cas, man. Merci d'être venu, bro. Oh, bah, j'ai dit que j'avais à dire, but non. Yo, check me on Facebook. Oh, Jérôme incroyable. T'as même pas dit toutes tes affaires là. Ça, ouais, Jérôme incroyable sur Facebook. Donc, ça, c'est ma page personnelle. Il y a Jérôme Music. Allez checker le fanpage. Il y a Jérôme Music aussi sur Instagram et Twitter. C'est la même chose. En fait, on sait Jérôme Music partout. Pour les musiques, ça va venir. So, même, follow Jérôme on Instagram, on Facebook. Yo, always on MySpace. Live. Lui, il a vu, il y a MySpace. T'as quand d'autres encore? Keep streaming. Yo, keep streaming parce que pour de vrai, c'est fou, man. J'ai eu une année quand même assez tranquille. Bon, j'ai eu plus que 200 000 views, écoutes de plus sur Spotify, man. Ah ouais? Yeah, chaque année, ça monte par 200 000. Puis pour de vrai, shout out to the fans. Shout out to the fans. We need them. Tout le monde qui monte sur la playlist. Puis ça augmente tout le temps. Shout out to the fans. Puis regarde là,
c'est fou là, parce que les numéros m'en parlent, puis il y a vraiment du love là. Comme. On me texte pas pour me dire yo, mais les chiffres m'en parlent. Ouais, les chiffres, no matter what, yeah. Les chiffres m'en parlent. Puis... Et ça peut juste grow from here. It can't go down. Yeah. Puis c'est ça qui m'a inspiré à comme, oh, ok, dors pas sur eux autres. C'est ça. Ça a monté, puis j'ai rien fait. Je trouve pas que j'ai été comme productif. C'est quand même, pour toi, ce serait égoïste de ta part de pas faire quelque chose de. Les fans ont répondu. Yeah. C'est maintenant, c'est à moi. C'est mon tour. J'ai été silencieux. Tell them something. Ils ont quand même écouté. Là, maintenant, c'est à moi de continuer l'affaire. Parce que tout le monde sait que la musique, ça impacte la vie des gens. True. True. Ça peut changer la journée de quelqu'un. True. Solide. True. Puis je savais pas, juste avant qu'on me le dise. Moi, je me vois comme l'être humain normal. Normal là, moi, je suis le gars qui chante. Moi, je suis le gars qui sait chanter. T'sais. Mais dans la vue des autres, c'est quelque chose d'autre. On te voit différemment. La première fois qu'on est venu me voir, puis on m'a dit, yo, Jay, yo, je vais être comme toi. I'm like, what the hell do you mean? Yeah. Like, you want to be like me today? Like, no, I want to be like you. Like, je suis comme, explique. I'm like, yo, I want to have the same attitude as you. I want to have that drive. Toi-même. Yeah. I'm like, it's funny though, because people don't even know what you live in. People don't even know how you live. They just see the front. You feel me? People tell me that all the time, but they don't even know how I live. C'est fou parce que je répète dans un 2,5 en bas. Bro, tu sais même pas que je suis dans mon compte est à négatif. Yeah. Tu veux être comme moi, pourquoi? Yeah. Parce que j'ai une guitare. Yeah. Mais je peux même pas payer un hamburger, bro. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Puis, mais on vient de dire. Mais tu veux être comme moi, bro. Moi, je peux même acheter un hamburger, non, bro. Mais tu es comme moi? C'est pas ça la vie, bro. Tu vois une image, c'est juste l'image que je t'ai projetée. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça comme ça. Que tu vois une image. C'est pas juste une image, man. Comment? Parce qu'on projette quelque chose de public. Il y a le drive. Il y a le drive. Même si ce qui arrive. Parce qu'il parle pas vraiment de ta vie personnelle. Oui, il parle de moi sur le stage. Non, il y a aussi le fait. C'est comme toi, là, à chaque jour, là, tu te lèves, OK? Puis je m'en vais sur ton Snap, là. OK. Puis tu es toujours en train de montrer ton studio. Tu te montres toujours actif. Tu sais, tu te montres, là, comme tu montes. Tu mets ta business en premier. Okay. Tu comprends? Mais pour de vrai, là, tu peux avoir le plus gros studio que tu as. Puis pour de vrai, tu peux pas le payer à manger, là. Ouais. Ouais. Mais à la fin de la journée, ce que je vois de toi, ça m'inspire. Mais je sais pas si tu manges. Est-ce que je t'ai demandé si tu as mangé aujourd'hui? Non, tu sais pas. C'est ça. Mais j'ai mangé là, mais bon. Yeah. DPM, t'as des bons keyboards, t'as mangé? Non, DPM commence à avoir un ventre. DPM mange. Il commence à avoir un ventre. Ah, c'est pour ça qu'il a mis le hoodie? Almet caméra sur moi. DPM commence à avoir un ventre. C'est pour ça qu'il a mis le hoodie? DPM est actif, hein. C'est pour ça que t'as mis le hoodie? Il essaie de faire comme si. DPM est actif, hein. Ah, man. Nice show, though. I like that. Non, mais it's all good, man. Je suis content, man. DPM, tu veux dire quelque chose, bro? Yo, c'est qu'on ça nous fait, c'est juste ça que je peux dire. DPM, c'est quoi ça le fait? Ah oui. Allez checker ses affaires sur les réseaux sociaux, allez checker son SoundCloud, allez checker son Spotify. Un gros merci à Jean Gardy qui est là avec nous, qui nous supporte. Yep. Jean Gardy. Un gros merci à l'audience. Yes. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Mais je pense que tu vas devoir rajouter deux, trois petits effets de clapping. Mais on n'a pas vendu assez de billets, donc. On n'a pas vendu assez de billets. Tu vas devoir mettre du reverb sur le on clap. On est COVID, bro. Tu vas devoir mettre un petit reverb sur le clap. Pour rendre ça plus large. Ben, vous êtes net. En tout cas, guys, merci beaucoup d'être venus. C'est encore Talk and Play with Mad Sound. À la prochaine.